Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy. Alors, chers candidats aux différents concours, on reçoit des messages. Monsieur Freddy, le concours de l'INFJ 2024, comment faire pour consulter mon résultat? Est-ce que les résultats sont disponibles ou il faut consulter ces résultats? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter brièvement comment vous pouvez consulter les résultats. Mais la première des choses à faire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo pour aider vos amis et connaissances. Je suis Ndri Freddy pour vous servir. Notre objectif, c'est simplifier, faciliter les choses pour vous. Nous avons mis en place cette merveilleuse plateforme pour vous servir sur l'ensemble des concours. Vous trouvez toutes les informations officielles sur cette merveilleuse plateforme pour vous servir. Alors, donc, pour le concours de INFJ 2024, vous savez que la composition a eu lieu il y a des mois déjà, et vous pouvez avoir ici consulter mon résultat. Ce que nous avons l'habitude de dire aux candidats, c'est que pour le concours de l'INFJ, la plateforme de consultation de résultats, en général, c'est fixé. On affiche à l'enceinte de l'INFJ, donc on invite le candidat à se rendre sur place. Mais dans cette vidéo, nous allons vous donner une autre alternative pour vous aider à consulter pour ceux qui sont très très loin. Mais pour ceux qui sont ambiguants, on vous conseille de vous rendre sur place pour avoir de plus amples informations. Alors, sinon, si vous venez sur, voici le site officiel du concours. Si vous tapez sur le site officiel du concours, vous ne verrez rien, vous ne verrez pas de résultats, vous ne verrez même pas, voilà, la possibilité de pouvoir consulter à votre espace candidat. Ça veut dire que la session 2024 est à son terme. Alors, maintenant, vous tapez sur consulter mon résultat. Si nous tapons ensemble sur consulter mon résultat, nous allons arriver sur la plateforme de consultation de résultats. Alors, donc, sur cette plateforme-là, vous allez voir résultats concours direct. Alors, les résultats qui sont disponibles, vous savez qu'il y a plusieurs options. Voilà, il y a attaché des services pénitentiaires session 2024, admissibilité conseiller d'éducation surveillé, admission attaché des greffes et paquet, ok. Admission concours direct au cycle supérieur de l'école du personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Admission au concours direct du cycle supérieur de l'école du personnel pénitentiaire. Admission concours direct du cycle supérieur de l'école des greffes. Et puis, admission concours de la magistrature session 2024. Et donc, on commence par celui de la magistrature. Alors, quand vous arrivez sur cette page, qu'est-ce que vous devez faire pour consulter votre résultat? Il suffit de regarder dans cette liste et de taper sur l'option qui vous intéresse. Si c'est pour admission concours de la magistrature, si vous avez fait le concours de la magistrature, vous tapez ici, ok, tapons ensemble. Si nous tapons ici, nous allons arriver sur la plateforme de consultation. Admission concours de la magistrature session 2024. Voyez l'en-tête. Voyez. Voici le fichier PDF qui montre la liste des admis, liste des admis par ordre de mérite. Par ordre de mérite. Et vous verrez, vous vérifiez les personnes qui sont sur cette liste. Si vous faites partie de cette liste, ça veut dire que vous êtes admis de la session pour la session 2024. Donc, voici la liste des admis avec les photos. Vous vérifiez. Voilà comment, pour le concours de l'INFJ, on consulte les résultats. Alors, et en général, on dit aux candidats d'aller sur place. Pour ceux qui sont très loin, pour ne pas partir sur place, voici comment consulter. Il y a 79 personnes qui sont admis pour la session 2024. Félicitations aux heureux candidats. Pour ceux qui ne verront pas leur nom dans cette liste et qui n'ont pas réussi cette année, voilà, vous ne devez pas baisser les bras, vous devez persévérer. Si votre rêve, c'est de devenir magistrat, il faut persévérer, il faut vous représenter encore et encore et ça vous permettra de réussir. Nous pensons que si vous persévérez, au bout de la persévérance se trouve le succès. Alors, nous sommes disponibles pour vous accompagner à réussir votre concours. Vous pouvez vérifier, voilà, pour celui qui veut vérifier peut-être le résultat de, on descend, admission au concours de la magistrature, ou bien le premier, admission attachée des services pénitentiaires. Vous faites pareil, vous cliquez là, et là, vous allez arriver sur la
page. Ça va, c'est télé. Vous pouvez télécharger ou imprimer cette fiche. Vous pouvez télécharger, imprimer pour l'avoir sur vous en permanence. Liste des personnes, voilà. Attaché des services pénitentiaires, session 2024, liste des admis par ordre de mérite. Et vous vérifiez votre nom dans, s'il y a votre nom dans cette liste. Pour cette liste, il y a juste 11 admis. Alors, signé par le président et les membres. Et voici comment il faut consulter les résultats pour le concours de l'INFJ. Alors, pour le concours de l'INFJ cette année, lorsque les résultats sont... Si vous n'avez pas vu votre résultat, il faut persévérer. Il faut patienter chaque fois, venir cliquer sur le lien et voir dans la liste. Quand vous cliquez sur le lien, il faut vérifier si... Quand vous tapez sur le lien, il faut vérifier si dans la liste des personnes... Voilà, dans la liste. Dans cette liste, si vous, votre concours apparaît, si le concours apparaît, ça veut dire que votre résultat est là, vous cliquez dessus. Mais si vous ne voyez pas dans cette liste votre concours, c'est-à-dire que les résultats ne sont pas encore disponibles, puisque les résultats arrivent graduellement, il faut réessayer encore et encore. Parce qu'on reçoit des messages, Monsieur Freddy, j'ai fait secrétaire des greffes et parquet. Est-ce que les résultats sont disponibles? Parce que quand il regarde dans la liste, il n'y a pas le résultat, il faut patienter. Il faut aussi aller sur place parce que, en général, ça, on affiche au sein de l'INFJ avant de mettre en ligne. Donc, voici ce que nous pouvons vous dire. Bonne chance pour la suite et n'oubliez pas, au bout de la persévérance se trouve le succès. Nous, cette année, nous travaillons à mettre en place les éléments pour vous aider à vous préparer et réussir. Vous pouvez cliquer là et arriver sur la plateforme qui vous permet de pouvoir voir avoir les outils de préparation, nous proposons des cours de préparation. Vous pouvez vous préparer pour les sessions à venir. Excellente journée à toutes et à chacun. À très bientôt et au revoir.